18h07, début de cette vidéo. Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'ai reçu un colis de chez Horse qui est ici présent. Alors c'est un tout petit colis, hein, j'ai vraiment acheté que deux choses, mais je tenais à vous présenter les petits achats que j'ai fait puisque je sais pas, je trouvais ça marrant. J'ai envie de faire une vidéo face cam, donc je me suis dit pourquoi pas une ouverture de colis puisque vous aimez bien ça, moi j'adore faire ça. Et pardon pour les bruits de pierre derrière, je sais pas si vous entendez mais il y en a un qui veut pécho là. Donc je me suis munie de ma petite paire de scissors et I'm gonna open this. Alors j'ai commandé sur le site parce que ce week-end, donc on est le 27 septembre et d'ailleurs date où j'aurais dû passer mon permis mais ça a été annulé, hein, on en parle. Non, j'ai commandé ça dimanche, samedi, dimanche. En gros il y avait une promo ce week-end, voilà. Il y avait plein d'articles à moins 50%, du coup j'en ai profité pour m'acheter ce que j'avais besoin, quoi, vraiment. Voilà. Alors, vous pouvez voir que j'ai bien commandé sur Oz. Wow, il y a autant de feuilles pour rien, c'est incroyable. Bref, donc j'ai tout d'abord commandé des petites chaussettes, c'est trop mignon. Regardez, l'emballage est beaucoup trop chou. Donc j'ai pris de noir parce qu'en fait je suis sur du haut que je n'ai pas de chaussettes noires. Et du coup c'est trop cher pour les concours parce que quand ça dépasse, bah c'est des couleurs en mode allez du vert. Il y a deux paires, donc je sortirai qu'une pour l'instant. Voilà, c'est chaussettes Horse, donc c'est vraiment des toutes simples, toutes noires. Je sais même plus quelle taille j'ai pris. Je sais qu'il y a le petit Z de la marque Horse. Yes. Comme ça, ça me fait durable. On n'a jamais assez de chaussettes de toute façon. On va finir par le plus gros. J'adore la couleur, ça ne fait pas comme ça sur le site, mais en fait je crois que c'est encore mieux. Donc je me suis tout simplement acheté un nouveau pantalon d'équitation parce que j'ai plus que deux pantalons d'équitation, dont un hiver. Du coup, je ne peux pas mettre quand il fait 40 degrés comme aujourd'hui. J'ai pris un pantalon pour aider le beige qui commence à douiller un petit peu, puisque je le mets vraiment tout le temps. Et je l'ai mis pendant toutes les vacances, donc si vous voulez, je pense que bientôt il y en aura là. J'ai pris du violet. J'ai trop aimé la couleur. Donc c'est un... je sais pas c'est quelle marque, mais c'est Horse aussi, comme ça. J'étais fidèle au site, hein, j'ai pris que des trucs Horse. Donc voilà. Et donc comment vous dire, il est juste trop trop beau. Je suis trop fan. En gros, il est violet comme ça. Il y a deux petites poches sur le devant avec un petit zip. Bon, pour le mettre c'est easy, hein, c'est le petit truc comme ça. Il est anti-dérapant sur les fesses, comme mon pantalon de concours si vous avez déjà vu les vidéos. Sinon je vous invite à aller voir le petit i, je sais plus c'est quel côté, je crois que c'est là. Donc il est déperlant aussi, genre contre la pluie, genre je peux le mouiller, aucun souci. Et puis bien sûr, les passages sans scratch, très pratique, voilà. Donc il est trop trop beau. Les chaussettes coûtent 9,95€ à la base, parce qu'il y en a deux, en fait c'est le même prix que Decathlon. Sauf que j'avais une petite réduction, et du coup je les ai eu à 7,46€. Et le pantalon coûtait à la base 89,95€, et je l'ai eu à 44,97€. Voilà, ça fait plaisir quoi. Donc voilà, c'était juste une toute petite vidéo comme ça, pour vous faire une ouverture de colis, parce que j'adore faire ça, et puis je sais pas, peut-être que vous avez l'air de bien aimer, donc je me suis dit... why not? J'ai pas acheté grand chose, hein, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, il manque juste une paire de gants parce que j'ai... vous voyez les griffes là que j'ai? Et bah je trouve mes... j'ai trouvé mes gants du coup. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si elle était un peu courte et ou alors j'ai trop parlé je pense. Ouais, je parle trop. J'ai un petit quelque chose à vous dire, en fait je suis en terminale ES cette année, donc qui dit terminale dit le bac, donc je risque de faire moins de vidéos, c'est pour ça que vous voyez il y a une sorte de pause sur la chaîne, enfin je pose vraiment quand je veux, quand j'ai le temps, donc je pense que ça va être un peu compliqué pour moi de poster une vidéo par semaine. Je dirais peut-être même, je ferai une par mois, deux par mois, je sais pas trop, je verrai. Donc je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui s'affichera en bas de l'écran et qui sera aussi en barre d'infos pour continuer à me suivre plus régulièrement on va dire. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous, bye, et qui du vous salue. Je teste des trucs, c'est nul.